Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la suite de la All Stream et du coup j'en profite pour vous lancer la vidéo. Alors comment vous dire, je ne vois plus ma faucheuse devant, j'ai pas compris. Alors je vais essayer de me sortir de là. En gros, ça c'est le dernier champ, vous savez qu'on a semé, que j'ai mis du radis, puis ensuite j'ai recorrigé, j'ai remis de l'herbe. Et du coup je suis en train de faire la tournée des prés. Et je regardais un live sur le côté comme ça en même temps. Et donc du coup je suis arrivé là et j'ai tourné la tête sur le deuxième écran, donc ça m'intéressait ce qui se passait. J'ai lâché le clavier et puis voilà. Et j'ai tourné la tête et je suis tombé là-dessus. En fait le tag grossissait. Donc là c'est soit une image. Ah c'était une image, ok. Ça, est-ce que ça va le refaire? Je suis curieux. Ah c'est dommage que ce soit une image, j'aurais bien voulu, ça fait de l'herbe en plus. Si on fait la même chose, par exemple, si je me mets là, et puis j'attends 10 secondes. Ah non, ça me l'a parfait, ok. Bon, c'était un bug visuel. Dommage, j'aurais bien voulu avoir de l'herbe. Bah, j'étais en train de me dire comment je vais me sortir de là avec la faucheuse, mais ça va. C'est tout bon pour moi, ça va se passer correctement, c'est pas le problème. Hop, et hop, on va récupérer les endroits où bah, les faucheuses elles prennent pas, parce que bien entendu, ça monte partout, il y a des... Et des bosses et des trous partout, donc parfois c'est pas forcément évident. Mais globalement, j'aurais réussi à le faucher sans trop rancher, donc ça s'est plutôt bien passé. Ah, ça va faire un peu de sous, ça. Ça va faire un peu de sous. Du coup, bah, je suis fixé pour la suite de la prochaine série. Plusieurs personnes parmi vous m'ont dit que. Il y aurait une mage de la Coronella d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc du coup, bah, doutez-vous bien que d'ici là, on va pas bouger celle-ci. Et donc du coup, bah, en cours de route, on en profitera pour tester les oliviers qui sont sortis sur le mode hub. Vous savez, les oliviers qu'on a l'habitude de voir par chez nous, c'est-à-dire pas des machins comme on a d'origine, où c'est en ligne comme les vignes, mais plutôt des arbres avec les squeuses. Donc papy a fait quelques tests dans son coin histoire de voir si ça passe et s'il n'y a pas trop de problèmes avec les autres modes. Derrière bon, on les mettra sur le serve et on tentera les oliviers avec les squeuses comme on a l'habitude, enfin comme moi j'ai l'habitude de le voir en France. Après je sais pas dans quel pays ils font en ligne comme les vignes. Est-ce que ça se fait en France d'ailleurs ça? Parce que dans le sud, les oliviers que je vois, c'est tout en arbre avec les squeuses, mais est-ce que ça se fait vraiment en France, ce genre de truc-là? J'en sais rien du tout. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on aura le temps de tester ça, donc on est coincé 15 jours, 3... enfin coincé. Pas vraiment, hein, moi ça me va, on pourra continuer d'avancer tranquillement sur celle-ci. Mais voilà, on partira pas de celle-ci tant que la mage de la Coronella sera pas faite, parce que ce serait dommage d'attaquer la série, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, la semaine prochaine. Et du coup, une semaine et demie après, bah, faut recommencer parce que la mage fait que tu dois recommencer la map. Quoi. Donc vaut mieux attendre un petit peu et puis voilà, c'est pas grave, il y a encore du taf sur celle-ci, pas de problème. Là, ouais, je pense qu'avec tout ça, on devrait faire un bon billet en rue Banaesh. Et du coup, on a l'usine à céréales qui tourne un petit peu. J'ai encore pas eu l'occasion de voir des palettes. Il y en a une qui a spawn là. Ah oui, parce que c'est la première fois que je fais des céréales. J'ai jamais fait encore. J'ai jamais fait. Ok. Ok. Oh, sympa, c'est coloré, dis donc. C'est sympa. Donc du coup, voilà, ce sera la première palette. Ça fait combien? 1000 litres. Donc 660 kilos. Ok, ok. Et ben voilà, c'est la première palette de céréales que je sors sur le jeu, j'en ai fait avant. C'est sympa. Donc voilà, on va attendre un faire d'autres, hein, bien sûr. Du coup, pour vendredi, messieurs, là, on se prépare à l'ensilage, tranquillou. On a semé le maïs. C'était quand qu'on a semé le maïs? C'était samedi, en live. On a semé le maïs samedi en live. Donc du coup, samedi, enfin, vendredi, pas samedi, vendredi prochain, on fera un ensilage de maïs. D'ici là, je sais pas s'il va m'en rester encore beaucoup. On verra, mais globalement, je ne sais pas combien il va m'en rester. On verra bien. De toute façon, il y aura de l'enrebané d'ici là, c'est pas le problème.
Donc je suis pas inquiet. Du coup, cette semaine, monsieur, dame, oui, c'est. Alors je vais essayer de tourner dans les vidéos, de tourner de jeu un peu, parce qu'il est vrai que ce coup-là, il manque d'Inglite qui prenait de vidéos. Donc du coup, je vais m'organiser. Donc aujourd'hui, farming. Ce soir, les lives, ça change pas. Hein. Ce soir, ce sera du snow. Donc là, c'est demain que ça va changer déjà. Alors, je ne sais pas s'il y aura du TDF ou du house sleeper. Tout dépend si j'ai le temps de tourner ça avec Houston. Ensuite, mercredi, bah, ce sera le sens inverse. Donc, soit house sleeper demain et TDF mercredi, soit TDF demain et house sleeper mercredi. Et puis pour le reste de la semaine, on verra. Je vais faire tourner. Il y aura peut-être une vidéo de Snow dans le lot, histoire de. Mais pour l'instant, alors c'est pas que j'ai pas de jeu à attaquer parce que Daniel m'en a fourni un. J'en ai un autre qui pourrait peut-être venir. Mais pareil, faut tester un peu vite fait. Et pareil, il m'en a offert un, mais qui est full bugué. Donc pas trop à tenter. Donc on verra. De toute façon, il y a de quoi faire dans les jeux qu'on a encore. Et puis, si toutefois il y a besoin, il y a encore farming dans le lot. Il va peut-être venir une map quand même intéressante à présenter. Peut-être. Ce serait cool parce que, effectivement, cette semaine et la semaine dernière, on n'a pas eu. Enfin voilà, personnellement, j'ai pas eu de map qui m'intéressait. Donc du coup, bah, j'ai rien présenté du tout, effectivement. Puisque ça ne m'intéressait pas plus que ça, ce qui était sorti. Donc avoir cette semaine, si on a l'occasion d'avoir ça pourrait être sympa. Alors Landanard, lui, il a l'air d'aller en côte et dans les trous. Donc c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de vous dire. Ça m'arrange, je suis quitte de faire 15 manœuvres. Il y a juste au début où il me l'a pas fait. On verra dans l'autre sens si on peut le rechoper en arrivant de l'autre côté. Bon, là, j'ai pas fauché. Je me suis dit, ça va pour les deux kékettes qui restent. Faut quand même pas déconner. Je vais tâcher d'aller tout droit sans me faire entuber par le chouchou. Ça m'arrangerait. On va se remettre en place gentiment. Et puis, on est reparti. Mon Jean-Louis. J'ai presque envie de dire, je me tâte à prendre plus gros en Andenner, mais finalement le tout gros j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'on a en Andenner? J'ai pas trop fait attention. Donc nous on a celui-là. Ah, il y a celui-là qui est sympa. Quand même à peine plus large. Celui-là j'aime pas. Si je prends celui-là, Papy et Chris vont pas voir. Comment ça, moi 2474 autres? J'ai rien acheté du tout. J'ai autre chose. Cool. Juste parce que j'ai consulté le magasin là, pour ma gueule. Terrible ça. Donc ouais, je pense qu'on va rester avec celui-là. Ça fait quelques tours en plus. Bon, globalement, on avance suffisamment vite avec celui-ci. Et du coup, mercredi pour le live, donc je crois qu'il devrait y avoir Iris normalement avec nous. Est-ce que Chris sera là? Oui, Chris il est là cette semaine, ça partirait la semaine prochaine où il est plus là. Putain, il y a une semaine où je me retrouvais. Bah non, tout seul, il y a Papy. Mais Papy il est pas là tous les soirs parce qu'il a aussi d'autres. Il y a aussi une autre dadame avec qui il va faire des lives, donc il sera pas forcément là à chaque fois. Et il y a une semaine où je me retrouvais tout seul. Alors, est-ce que je vais forcément faire du snow tout seul? Ouais, tu me diras, comme dirait mon père, je ne vais pas faire tout seul. On peut même arriver à avancer un petit peu. Donc, je changerai pas forcément le planning, puisque le lundi, je serai tout seul. Le mercredi, je serai avec Papy et peut-être Iris si elle peut venir. Et vendredi, potentiellement, il y aurait Papy, donc. Donc voilà, c'est tout seul mais pas non plus toute la semaine quoi. Ça dépend pas forcément de Papy comme j'ai dit, il y a aussi
et aussi faire des lives avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, il est pas tout le temps là non plus. Mais bah, j'aurai tranquille, pas de problème. Et après, on aura le retour de Maca. Après, s'il se barre 2 semaines, il se barre même plus 1 semaine, c'est 2 maintenant. Il prend des vacances longue durée. Il s'emmerde pas, celui-là. Il s'emmerde pas. Non, bon, on va faire tranquille au bidou. Et puis, je vais regarder un peu en termes de jeu si j'en recase un dans le lot. Ou si j'ai une sortie de prévue, j'ai pas regardé du tout dans la liste de ce qu'elle est arrivée. Donc, j'ai vu qu'il y avait. S'il y a un jeu qui est. Alors, moi j'aime bien parce que c'est. Enfin, j'ai pas réellement de. Comment dire. De style de jeu approprié. Mais. Est-ce que vous vous rappelez de Two Points Hospital? Pour ceux qui avaient. Je crois que j'en ai fait. Je sais plus si j'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Si j'en ai fait quelques-unes peut-être. Ou peut-être un live où je ne sais plus ce que j'avais fait. Et en fait, il y a. Alors. C'est les mêmes devs, c'est la même façon de jouer. Ça doit, c'est des trucs qui sont vachement ressemblants. Mais. Il y a Two Points Campus qui est sorti. Le 9 août, si je dis pas d'annerie. Faudrait que je regarde un peu la gueule que ça a. Mais quand j'ai vu un peu. J'ai vu quelqu'un jouer dessus vite fait. Effectivement, c'est le même principe de jeu, c'est les mêmes devs, c'est les mêmes graphismes, c'est. Enfin, tu vois, c'est un copier-coller, c'est juste que c'est pas à l'hôpital, c'est dans un campus. Donc globalement, c'est le même. Alors après, est-ce que c'est assez intéressant que je vous fasse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, il y aura Construction Simulator en septembre. Alors, Papy sera probablement pas des nôtres, il me l'a dit tout à l'heure. Parce que le jeu le tente pas plus que ça. Donc de sûr on sera 3. Si j'arrive à motiver Juju, peut-être 4. Après Juju, la question de la motivation n'est pas. Enfin j'ai déjà expliqué, mais c'est même pas une question de motivation, c'est à cause de l'emplacement où est le PC. Parce qu'il y a le. Et elle part de la Godot. En fait, il faut faire un mini déménagement à chaque fois qu'elle va sur le PC. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Et puis maintenant, elle a son truc de vendeur de machin. Là. Donc elle a pas 4 bras non plus. Mais oui, c'est surtout ça, surtout les affaires de la gosse devant et tout. Mais bon, malheureusement, on est limité en place. On fait comme on peut. Hein. Les stands, voilà, c'est pas semé. C'est resté du radis. Ça me pète les pieds, c'est pas grave, mais c'est un peu chiant quand même. C'est un peu chiant. Franchement, je vais me démerder là. Je vais plutôt faire ça et je reprends le reste dans l'autre sens. Et puis, ça sera bon ici. On n'y viendra plus. Ah, il y a un sacré chiant quand même. Je vais devoir voir le nombre de bottes qu'on va taper là-dedans. Après, si on avait voulu. Si on avait eu l'argent, si j'avais eu l'envie, j'aurais pu demander à Chris de rapenir un peu le terrain, parce qu'effectivement, par endroit, c'est un peu violent, quoi. C'est un peu violent. Allez, roule ma biche. Et du coup, est-ce que vous avez eu de la flotte, vous, depuis... c'est quand qu'on en a parlé le dernier coup. Depuis samedi, est-ce que vous avez eu de l'eau? J'ai vu aux infos que ça s'est amélioré en Gironde pour le feu, grâce à la pluie et au travail des pompiers, bien sûr, parce que c'est pas la pluie qui a tout fait, mais grâce aux deux, ils ont pu fixer le feu. Bon, il y a encore 7000 hectares qui sont partis, quand même, en tout. Hein. Mais ils ont pu fixer le feu, c'est quand même pas mal. Et puis ça fait du bien, hein, quoi. Pas se cacher. Alors, il va en falloir beaucoup pour que la terre... Il en faudra pas mal pour que Terre boive un bon coup et que je sois remouillé comme normalement, quoi. Mais pareil pour les nappes phréatiques, il va en falloir beaucoup. Donc c'est pas pour tout de suite ça. Mais alors pour les peintures, il en faut. Alors pas tant que ça. Si tu me diras, la terre est tellement sèche qu'il en faut quand même pas mal, mais d'autres comme l'herbe. Ne descend pas non plus excessivement bas en racine.
Il en faudra un... il faudra un peu, je pourrais même pas vous donner un... Comment dire? Je pourrais même pas vous dire le nombre de millimètres qu'il faudrait pour que ça redémarre, mais même s'il pleut, en fait, le temps que... Enfin, il faut déjà que ça tombe suffisamment. Le temps que la terre boive et que l'herbe jaune repasse au vert, on va dire, il va quand même falloir quelques jours et quelques temps. Et il faut surtout qu'il y ait suffisamment de flotte. Parce que là, je suis pas allé voir, mais on en a pris un petit peu ce soir, là. Pourquoi je vous tourne la vidéo, on est dimanche soir. Je suis un peu perdu dans les jours avec le fait que ce soit férié demain lundi. Mais on en a pris un peu ce soir, mais probablement pas assez pour que la pelouse ait le temps de boire un bon coup et que ça redémarre dans les prochains jours. Donc il y en a toujours de prévu, mais bon. Il y en avait de prévu dimanche après-midi, il n'a pas tombé une goutte. Il y en avait de prévu dimanche soir, en tout début de soirée, il n'a pas tombé non plus. Donc on va pas s'en plaindre, il y en a déjà eu, c'est déjà pas mal, il fait moins chaud surtout. Mais là, faut que ça y foute, hein, parce que il y a énormément de retard à, on va pas dire à rattraper, mais il y a énormément de retard en quelque sorte, et pour que ça reverdisse au moins un peu, ouais, alors, il va en falloir quand même. Mais bon, on verra, hein, de toute façon, c'est pas nous qui décidons. C'est comme ça, puis voilà. Du coup, j'ose espérer, comme il va faire moins chaud, et que j'espère aussi qu'il y aura moins de vent. Mardi, je crois qu'ils annoncent des éclaircies. Donc, je vais peut-être enfin pouvoir bouger mon gros derchon à aller au bois sans qu'on me l'interdise toutes les 5 minutes. Et parce que, évidemment, je suis grand, j'ai 30 piges hein, quand même, faut pas déconner, je suis un bébé. Mais il paraît pas, et pas bébé dans ce qu'il dit, effectivement, quand il y a une bise terrible et qu'il fait une chaleur à crever, c'est pas réellement un temps pour aller au bois. D'autant plus que j'en vis pas. C'est vrai que j'en vivrais, bon, pas le choix, boulot oblige, et puis voilà. Mais en effet, j'en vis pas. Donc oui, disons qu'il vaut mieux jouer un peu la sécurité plutôt que d'aller prendre une branche du coin du nez. Mais par contre, de l'autre côté, bah, ça fait pas d'avance. Donc j'aimerais bien quand même pouvoir y refouter un peu, parce que j'ai pas remis les pieds depuis un moment ce coup-là. Dernier coup, c'était quand? C'était fin juin, début juillet. C'était début juillet, puisque j'y suis allé quelques jours avant les dernières gouttes de pluie qu'on a eues, et c'était le 5 juillet. Donc j'ai dû arrêter d'y aller par là le 8, je dirais, maximum. 7-8 peut-être, et depuis Zemmour, j'ai rien foutu au bois. Et puis bah, avec le temps, mis à part, comme j'avais dit, hein, mis à part promener de l'eau et de la bouffe pour les vaches, bah, on a rien foutu quoi. On a bricolé, comme si comme ça il y avait des papiers, du bordel à faire, bah, sinon... ça c'est un peu, alors c'est pas forcément que chez nous, hein, c'est un peu tout le monde. Des tracteurs, on n'en voyait pas beaucoup, si on n'en voyait pas ça avec des bétailleurs. Et puis des bottes de foin. Sur un picot. Mais pas des bottes de foin qu'ils ramassent, hein, des bottes de foin qu'ils ont ramenées aux genisses. Ou alors des bétaillères et puis des tonnes, quoi. Mais pas beaucoup de mouvement. Tu sens que le marchand de GNR, ces temps-ci, vers chez nous, il a dû tirer un peu la gueule. Hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tracteurs qui tournaient. Hein. Mais bon, d'un côté, j'ai envie de te dire tant mieux, c'est pas peine de bouffer du gasoil pour rien. Et puis avec le chaud, on n'est jamais à l'abri de foutre le feu ou. Enfin voilà, faut quand même faire attention à pas faire trop de conneries. Quand t'as pas le choix, je veux bien, mais tu sais jamais ce qui peut arriver. J'en ai un qui a cramé pas loin de chez moi là. Il revenait des bottes. Alors. Je ne sais pas du tout parce que j'ai pas eu la précision de qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi le tracteur a pris feu. En fait, c'est en dessous d'une grosse côte où, même en ayant les freins hydrauliques et la Stelka, parce qu'il avait comme deux remorques l'une derrière l'autre, de foin, même avec les freins hydrauliques, il faut que tu freines énormément. C'est beaucoup d'épingles, il n'y a rien de droit. Et vu que c'était dans les jours où il faisait une chaleur à crever,
Bah, je me demande si ça vient pas des freins quand même. Le fait que tu vois, tu es toujours appuyé sur la pédale de frein, il y a de la poussière là au milieu, et puis ça prend comme ça, je pense que ça peut être plausible. Ça peut être ça. Hein. Non, attends, mais il n'y a plus de tacazou quoi. C'est rapide. Mais j'ai jamais eu l'explication de ce qui s'était passé. Et c'est un mec qu'il faut. Alors il a des champs quand il était petit là-bas, des trucs familiaux là-bas, enfin là-bas, et il n'a pas pu les échanger avec qui que ce soit. Du coup, je crois que, si je vous dis pas de conneries, hein, en 3 voyages, 2 voyages de remorque, de foin, il fait 300 bornes une journée. Donc je pourrais même pas vous dire c'est où, je me rappelle plus. Mais le mec fait 300 bornes dans sa journée avec en faisant les voyages de foin. Et il doit faire 2 ou 3 voyages. Donc ça commence à faire. Hein. Là ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il n'y en a pas pour longtemps du train de pneus, c'est moi qui vous le dis. Ça doit pas. Je me trompe de route. Ça doit pas traîner. Hein. Ah oui, j'ai arrêté dans des années parce que je vais commencer à presser. Je voudrais bien voir le nombre de bouts que je vais faire dedans quand même. Curieux, j'ai pas envie d'attendre. Là, j'ai ramené le miel qu'on avait, le peu de miel qu'on avait. Il y a déjà une palette qui respawn et le maïs qui pousse tranquillement. Et on se fera ça vendredi. Donc, on sera les 3. Du coup, on va se démerder de Ben et la machine. Et puis voilà, j'ai essayé de mettre le maïs au plus près de l'exploitation, étant donné que voilà, justement, on serait le 2 Ben. Et parfois bon, on s'arrêtera pour j'en sais rien, moi il y en a un qui tassera ou on tassera les 3 et puis voilà, on va se débrouiller de toute façon, pas de problème, ça va se faire. Alors du coup, mon petit, c'est du bois. Alors là oui, c'est vrai qu'à cet endroit là, je t'avoue que c'est pas fifou. Ah mais il va me sortir de la baie quand même, c'est fumier. Oh non, chien. Comment ça se fait qu'il n'a pas transformé en herbe? D'habitude, même à 60% de la botte, il me le cale en herbe. Qu'est-ce que c'est que ces âneries? Ah, pareil, je vais pas pouvoir basourder les bottes où j'en ai envie. À cause de la pente. Donc, il va falloir que je me méfie. Ah, je suis dégueu, du coup, on perd une botte. Bon, elle compte dedans, mais. Je perds quand même une botte. Ah là, ça va être chaud, hein. Il y a une botte au cucu. Mon petit. Ça va pas être si facile que ça. Alors, où est le chouchou? Il est pas là. Il arrive. Je le vois arriver. On allarge le temps. D'y aller tranquille. On va y aller tranquille. C'est bon. Ah, ça, c'est pas ce que je voulais. Ma bad. Trompé de touche. Le chouchou. Ah, il passe pas si vite que ça. Normalement, il passe à 80. Je sais pas s'il est à 80. Là. Qu'est-ce que c'est que ces âneries là-bas là? C'est des flowers? Ah oui. Bah, c'est un buisson quoi. Je vais vérifier parce qu'avec le bug que j'ai eu tout à l'heure, c'est encore une touffe d'herbe qui se pointe là-bas au milieu. Enfin, un tas d'herbe. On va essayer de débarrasser quand même un peu parce que bon. Faut pas déconner. Pas regardant, mais il y a quand même des limites. Du coup, on est déjà à combien de bottes là? 3, je dirais. Donc là, c'est la quatrième. Ouais, 4 bottes. J'ai pas fait la moitié d'un tour. Bon, après, il serait très si vite. Hein. Mais yes. C'est pas mal. Je vais être obligé de ralentir sinon je vais déjà être plein que la botte n'est pas sortie. Ah oui, c'est. Ça va en faire normalement. 5e botte. Je vais le laisser mouliner comme ça je vais être tranquille par l'au mieux pour pouvoir manœuvrer sans m'occuper d'avoir 2 bottes à décharger. Elle est quand même bien cette presse là. Hein. Mais c'est pas vrai, ça fait 2 fois Maurice.
Là, c'est à toi que je passe, merci. Et du coup, là, dans la pente. Ipsa, Roger. Allez, en avant. Ah, c'est chaud quand même, hein. J'aurais pu continuer, puis je reprends en revenant. Je peux faire ça. Quel est l'âne comme une L au milieu, à votre avis? Qui est le con comme une haie ici? Ben c'est Bibi pour faire chier le monde. Là, voilà. Du coup, messieurs, dames, on va arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera de toute façon ce soir. Ce soir pour le live de Snow. Et puis voilà, comme je vous ai dit, cette semaine, je vais faire comme je peux de toute façon. Je peux simplement vous dire que voilà, il y a eu un miracle sur TBF. Alors c'est pas la prochaine vidéo, ce sera celle d'après. Mais j'ai tapé un miracle qui fait que j'ai déverrouillé quasiment toutes les courses. Donc voilà. Donc là la saison 5 sera assez comment dire chargée. D'ailleurs pas mal de bordel. Mais j'ai fait un sacré saut en avant, tout ça pour. Ah, je vais pas dire un petit truc, mais tout ça pour un exploit. Un exploit, un exploit. Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui, messieurs, dames. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.